Ce soir, on va faire une danse complexe à deux murs. Complexe parce que beaucoup de rotation, beaucoup de pas. Il y a un petit tag, un restart. Et donc, vous allez voir que ça tourne d'un bord puis ça tourne de l'autre. Alors, c'est pour danseurs avertis, mais je me suis laissé envoûter par le chant et la musique de cette danse. Alors, je l'ai faite. Ça s'appelle, je pense que je l'ai dit, Wind Beneath My Wings. Alors, on va regarder les pas lents de la danse. Wind Beneath My Wings. Ça prend de l'espace. Alors, on va regarder ça tranquillement. Il y a beaucoup de et. Un et deux et trois et quatre. 5 et 6, 7 et 8, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, 6, et 7, et 8, et 1, 2, et 3, et 4, et 5, 6, et 7, et 8, et 1. 2 et 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 1 et 2, on recommence. Bon, j'essaie de le faire plus lentement. C'est difficile une fois qu'on est parti. Alors, on essaie. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6, 7 et 8. C'est bon. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1 et 2. Et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 1, et 2, et 3, 4, et 5, 6, et 7, et 8, et on recommence, 1, et 2, 3, et 4. C'est réussi. On va expliquer le petit tag. Alors, c'est un deux murs, ce qui fait qu'au quatrième mur, 1, 2, 3, 4, donc à 6 heures, on commence la danse. Après un compte de 5, on fait 2 pas et on restart. Alors, regardons ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 1 et 2 et voyez, on recommence. 1 et 2 et 3 et 4. Donc le start est, le restart est fait. Je refais le petit tag. Donc au quatrième mur, on va entendre la chanson aussi. Le chanteur change un peu de voix. De son et on fait la danse. Donc on regarde 1 et 2 et 3 et 4 et 5 1 et 2 et je repars 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 7 et 8 et on continue. Il n'y a pas d'autre tag, c'est le seul endroit. C'est deux petits pas à la tag. On va mettre la musique. Très belle musique. Voici la danse Wind Beneath My Wings avec la musique. Comme je vous ai dit, c'est une danse pour danseurs avertis. Assez complexe. Mmh.
never